Tout de suite, justement, confirmation donc avec Ondrazik qui ne marque qu'un seul point, aucun point pour Turani, 2 points pour Maxime Mazot, auteur d'une très belle manche, 3 points également, et ça c'est intéressant, pour l'Espinasse qui confirme, il n'est pas spectaculaire, il n'est pas de fleuriture l'Espinasse, il est bigrement efficace. Et on retrouve ensuite avec 4 points Richard Wolff, solide Gaillard également, et Paul Cooper, l'expérimenté Cooper, qui a creusé l'écart dès le départ et qui n'a pas ensuite été menacé. On va retrouver derrière Jeffreys avec le numéro 3, Vitinato, le numéro 9, Dubernard, Gabriel Dubernard avec le numéro 13. On retrouve également Peterson avec le numéro 4, me semble-t-il. Le voilà, il se présente. Numéro 10, Van der Fried. Donc ça va nous faire
un classement en points qui est le suivant. Avec aucun point Petersen, malheureux, c'est un problème mécanique. Un point pour Comparon, deux points pour Jeffries, trois points pour Pizzinato, quatre points pour Van der Steen et cinq points la victoire pour Gabriel Dubernard. Gabi qui l'emporte donc, cinq points, une excellente opération pour Gabi Dubernard. Tony Kroger avec le numéro 18, Martin Williams le numéro 12, Nenk de Jong, la ravissante demoiselle particulièrement véloce, impressionnante tout à l'heure avec le numéro 6, et alors les supporters, le numéro 17, Ramon Zalek, toujours combatif, Shane Colvin, attention à Shane, hein. C'est l'homme fort avec le numéro 11, et la voilà derrière. Alors, on regarde encore là. Nenk est là. Colvin le 11. Le numéro 12, je vous rappelle, David Martin Williams. Voilà, beaucoup de nouveaux venus là sur l'édition 2008, beaucoup de jeunes pilotes. On a un forfait, semble-t-il. Concurrent forfait, vraisemblablement, à moins que. Non plus. Allez, ça court rapidement. Il y a, semble-t-il, un problème mécanique pour l'un des concurrents.
Et en l'occurrence, c'est pour Williams, ouais, qui a été en grande difficulté. Comme on est, il marque quand même deux petits points. Alors, 0 point pour Swart, 1 point pour Nikhil de Jong, 2 points pour Williams. Alors, 1 point pour Williams. 1 point pour Williams, 2 pour De Jong, 3 points donc pour Kroger, 4 points, vous l'avez compris, pour Shane Colvin, et bien évidemment 5 points pour Ramon Tanek. Et nous retrouvons les recubes avec Verdaïnan entre autres. Kroger maintenant, Pierre Riz bien sûr, Theo Piper. C'est Pascal, c'est York et Meux, là, c'est une vente assez incroyable. Là, il y a quelques années, il y a des gens de vol, mais il y a quelques centaines de grands prix aussi. Stéphane Kalt, qui ne devrait pas marquer beaucoup de points d'après mon pointage, et pour cause, il n'en marque aucun. Donc, c'est bien la confirmation de sa position de 6e. 5e, Verdaïner, 1 point. 4e, on retrouve ensuite avec 2 points. 4e position, York Tebe. 2 points. 3 points pour le numéro 1, Gerd Riis. C'est ça, c'est une petite surprise. 4 points pour Theo Piper. Et 5 points pour Mathias Kroger, qui a été impressionnant, toujours aussi populaire à Marmande, Mathias Kroger. Attention à Gerd Riis, on sait que c'est l'homme des grandes occasions, des grands rendez-vous. Et là nous allons accueillir une jolie brochette avec Christian Hurtort, avec également à l'intérieur Stéphane Trésarieux qui est là. Stéphane Trésarieux, particulièrement inspiré. Avec le numéro 10, Dan Phillips, le 6 là-bas, Yannick de Jong. Allez, Philippe, de Jong, Trésarieux. On va envoyer Jalovka dans un instant. Christian Hurtort. Et le numéro 2, Nedek Tinerwild. Nedek Tinerwild. Thank you.
Stéphane Trésorieux. C'est phénoménal, allez! Alors là, chapeau bas, les amis, Stéphane Trésorieux, non seulement il l'emporte, mais il leur a collé une dragée, hein, carrément, il a été impressionnant. Il était à l'intérieur, il réalise le roll shot de l'intérieur, ça c'est magnifique. Il va être en confiance, Stéphane, il va être en confiance. Allez, il faut faire un petit tour d'honneur, ce son. Ça lui a fait tout à l'heure, ça lui a porté bonheur. Allez, il aurait dû continuer. Alors, on nous signale et on nous confirme l'abandon de Sébastien Trésorieux, remplacé par le pilote italien Milanese, suite à sa blessure au genou peut-être, enfin en tout cas, il a été sérieusement secoué tout à l'heure. Donc la direction de course nous fait savoir qu'ils nous enregistrons le forfait de Sébastien Trésorieux. Alors peut-être que l'occasion vous est offerte de l'applaudir quand même, car il nous entend, Sébastien, et il est très très déçu, vous vous en doutez. Accompli, 4 points pour Dirk Fabric, 3 points pour Massimo Mora, on retrouve 2 points pour Andrew Appleton et 1 point pour Milanese qui remplace, vous le savez, le malheureux Sébastien qui a été généreusement et chaleureusement applaudi tout à l'heure. Allez, on retrouve la manche suivante et là on voit qu'il s'agit, mais bien évidemment maintenant, des jeunes espoirs coachés, encouragés. C'est là, lui aussi bien évidemment, maintenant de l'autre côté de la barrière. Il est venu dispenser quelques conseils à Gabriel. Gabriel Bernard qui est là, le numéro 5, comme vous l'avez compris. Il s'agit de Pascal Schwartz avec le numéro 1, Paul Cooper, grandissime favori. Passionnante au début de soirée, phénoménale, avec deux victoires pour Stéphane, je le rappelle. On va retrouver également, avec le numéro 13, l'expérimenté Pavel Ondrazic, placé à l'extérieur.
qui écoute avec beaucoup d'attention les conseils de son aîné. Ah, il y a un coup à jouer là, il y a un coup à jouer, c'est jouable. Le numéro 3, Jeffries. Totalement à l'extérieur là-bas, Gabriel. La même position pour le couteau en centre. Cooper est l'homme à surveiller. Bien évidemment, avec le numéro 17, le lancer redoutable. Allez, attention, nouvelle manche, revenez cette fois de la mort populaire. Alors, septième manche, faites vos jeux maintenant. On retrouve aucun point pour Schwartz. Un point pour Jeffries. Deux points pour Gabriel Dubernard. Trois points pour Ramon Stalek. Quatre points pour Paul Cooper. Et bien évidemment, cinq points pour Pavel Ondrazic. Lesquels vont être rejoints maintenant sur la piste. Par la huitième manche. Il a encore... un favori a priori se détacher, c'est Shane Colvin, mais on a vu qu'il faudrait aussi compter sur les petits français comme Boris Pinato très bien placé et Maxime Mazot qui a une belle place sur la grille également. Et voilà d'ailleurs tous les deux en position avec peut-être un peu d'avance. On retrouve Colvin à l'intérieur, le numéro 11. Le numéro 2, lui, vous l'avez compris, c'est Wolf. Il se positionne le long des protections extérieures. C'est quand même surprenant que cette année, le grip soit suffisamment important pour que les pilotes de l'intérieur, on l'a vu avec Gendrich à l'entraînement, ça s'est confirmé avec Stéphane Trésarieux. Il y a un coup à jouer à l'intérieur. Ils arrivent. Attention également à Nicky Lato. On attend Nicky, là voilà, Nicky qui arrive. Nicky de Jong, est-ce qu'il a des supporters de la jeune Nicky de Jong, hey!
position. Mais a priori, voilà, ça clignote sur le blanc. A priori, cela voudrait dire que Ninky a été sanctionné. On attend la confirmation. Stricto sensu, la loi est dure, mais c'est la loi. 16 legs sur Alex. Voilà, confirmation, on appelle le réserviste. Ce qui nous fait un petit break de 3 minutes pour permettre au réserviste de se rendre sur l'aire de départ. Alors on vous rappelle bien évidemment hein, que le texte a été appliqué tout simplement puisque durant la procédure de départ, Ninky De Jong a très nettement, d'ailleurs il n'y a pas eu de contestation possible, très nettement touché le fil élastique de départ et que dans ces conditions, la réglementation est appliquée. Certes, elle est rigoureuse, mais bien évidemment, une réglementation n'a d'intérêt que si elle est appliquée, sinon c'est la porte ouverte à tous les patrons. Donc, malheureusement, c'est tombé sur Ninky et c'est une grande déception, mais rassurez-vous, vous la retrouverez plus tard dans la soirée, car elle aura à cœur de prendre sa revanche. Non, non, elle savait effectivement... C'est pour cela qu'il y a eu de contestation de sa part. Ah, c'est terrible. C'est terrible, mais... Rassurez-vous, ça n'est qu'un carton jaune, ça n'est pas un carton rouge, nous la retrouvons. Dans quelques minutes, pour la suite du programme. Alors, on regarde si le remplaçant est prêt. Je vous le rappelle, 5 points pour Wolf, le numéro 2, 4 points pour Maxime Mazo, magnifique, 3 points pour Shane Colvin, 2 points pour Maurice Pizzinato, remarquable également, et 1 point pour Cambon, le jeune français qui a remplacé au pied levé Ninky De Jong, qui marque quelques points, bravo, et on retrouve, si vous le voulez bien,
intervenir rapidement. Donc, on a fait la composition de cette porte avec mon parrain qui est là, avec mon Catherine, avec Tony Breuer, avec Martin Williams, Jérôme Espinas, Aïdan Fouet, Aïdan Fouet, Jérôme Espinas, avec ton numéro 8. Il faut gagner cette porte, Jérôme. Il faut gagner cette porte. Il en a le potentiel, il en a le talent. On a dit d'un bon théorique à la porte. Dans cette commande. Tricolore, évidemment, les Français sont verts. Je ne vous ai pas trouvé très généreux avec les Espinas, là, du bruit. Allez. Alors, tout de suite, un point, vous l'avez compris, pour Comparin. Deux points pour Turani. Trois points également pour Van der Steen. 4 points pour Tony Kroger et 5 points pour Jérôme Lespinas. Allez, on se rapproche maintenant de cette dernière ligne droite de qualification. Quand même bien scoré, pas très très loin, alors que Piper malheureusement
semble, si l'on forfait, en tout cas en grande difficulté. Et là, c'est un peu la consternation parce que Piper est un garçon particulièrement populaire qui roule d'ailleurs sous licence française et c'est vraiment un coup de massue qui s'abat sur lui. Alors, est-ce qu'il a sa machine de rechange? Il a l'air que oui, il n'enlève pas son casque. Ça veut dire que sa machine de rechange, par définition, est sans doute pas aussi performante que sa machine initiale. C'est ce qu'on appelle dans notre jargon le mulet. Et attention, il y a des mulets plus ou moins vitaminés, ou plus ou moins performants. Et on peut compter sur Piper pour avoir, grâce à une équipe technique de qualité, préparé une deuxième machine. Voilà, Piper qui s'installe. Stéphane Kat effectivement 0 points, Glenn Phillips 1 point, Yannick De Jong dans la 10e, je vous rappelle qu'il s'agit de la 10e manche, Yannick De Jong marque 2 points, Enrico Janoszka marque 3 points, 4 points pour Theo Piper avec sa machine de remplacement et 5 points après un petit passage à vide, souvenez-vous tout à l'heure, il avait marqué que 3 points, il vient d'en marquer 5 pour Geert Driss. Alors, voici maintenant, comme le signalait Nicolas Lange. L'oreille il y a quelques secondes, l'heure de vérité pour Stéphane Trésarieux. Car certes, il a 2 victoires à son actif, mais il a également une dernière place qui va le handicaper, à moins qu'il réalise une très très belle manche maintenant. Alors l'occasion de rejoindre la finale A, elle est valable à condition que le numéro 9, Stéphane Trésarieux, permet au moins dans les 2 premiers. Il le fait, Stéphane. Il a fort envie de parier qu'il va tout tenter. Il a d'ailleurs une très belle place sur la grille. Il est très bien placé au centre. Là. Il a choisi avec son numéro 9. Évidemment, on va s'améliorer. Il aura une sortie. Il aura un haut. Il a dérogé. Voilà, c'est faisable. Il va se diriger vers sa troisième victoire. C'est le de la
avec notamment ce dernier qui revient un peu en quatrième position. Nous sommes dans le dernier tour et nous accueillons vers une nouvelle victoire de Stéphane Bravo. Un petit moment à alors là, magnifique. Trois victoires pour Stéphane Bravo, mais malheureusement aussi une dernière place, donc attention, rien n'est fait. Alors, on va tout de suite vous donner le résultat. Aucun point pour Hurson. Un point pour Milanaise. Deux points pour Stéderin. Écoutez le public de Marmande. Trois points pour Richard Hall. Quatre points pour Massimo Nora. Et mesdames et messieurs, cinq points pour Stéphane Trésorier. Annoncer le classement, c'est-à-dire tout simplement les points. Un point pour Bernd Reiner.
Aucun point pour York Tebbe. 2 points pour Andrew Appleton. 3 points pour Jonas Kilmacampi. 4 points pour Dirk Fabrik. Et 5 points pour Mathias Kroger. Et elles ont bossé depuis des semaines pour leur chorégraphie. Alors, j'aimerais savoir s'il y a des amateurs de jolies filles. Mesdemoiselles, vous aviez besoin d'un public de qualité, il est là. Alors écoutez-les parce qu'ils sont capables de lancer la chorégraphie eux-mêmes. Hein. Ils ont l'habitude, depuis quelques années maintenant, ils vont peut-être même vous accompagner. Vous allez entendre les garçons et les filles. D'ailleurs, ils vont compter jusqu'à 5 en son travers, c'est un véritable compte à rebours. Alors attention, tous avec moi. 5! Alors, qu'est-ce que c'est que ça? Oh là là, venez voir là-bas les filles, venez. Mais c'est quoi ça? Non, voilà. Alors, un petit rappel en plus, c'est quelque chose, ah, pas mal là, hein? C'est quelque chose. C'est un air que tout le monde connaît, ça. Alors, si vous voulez que les filles continuent de danser, c'est pas compliqué. Dès que la musique départ, vous tapez dans les mains, vous bougez, vous faites un maximum de bruit pour les aider. Allez, attention. 5, 4, 3, 2, 1, top. Allez, c'est bien. Yeah.
qu'il a pris le couloir qui restait, mais au moins il est en finale. Donc au couloir numéro 3, on va retrouver Paul Cooper. Au couloir numéro 2, et là je sais que vous allez réagir, nous allons retrouver Maximum Mazo. Couloir numéro 4, Ramon Stanek. Couloir numéro 5, c'est Les Pilas. Quant au couloir numéro 6, c'est Pavel Ondrazek, particulièrement expérimenté. Voilà, voici la composition qui, je rappelle, a été déterminée par le choix du premier, du classement provisoire, qui a donc choisi son couloir, etc. etc. Nous sommes donc en mesure de vous proposer la finale espoir. Il y a une finale espoir et trois finales, évidemment, internationales, C, B et A. C'est bon? Non. Mais toi, t'as soif, non? Allez, à tout de suite! Allez, quelques applaudissements également pour les girls sur la ligne de départ qui ont préparé une petite chorégraphie. Allez, finale espoir. Maxime Mazo. Attention également à l'Espina Sabano au côté. Allez, Jérôme Espina avec le notaire numéro 8. On va rentrer également au golf.
le dernier virage. Kylian Coiffé, Jérôme Espinas. Aïe, 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 aïe. Allez, musique. Confirmation. Paul Cooper, Jérôme Espinas termineront sur les deux premières positions du podium. Magnifique, Wolf, troisième. Allez, le tour d'honneur, les applaudissements de Normand pour Maxime Mazot. Maxime Mazot. Ah, on y a cru jusqu'à la dernière seconde. Andrazik, qui n'a pas les mérités, Pavel Andrazik, un habitué de Marmande, le numéro 13, qui mérite quelques applaudissements également. Voilà Pavel qui va rentrer. Et Paul Cooper, exceptionnel Paul. Paul Cooper qui est parti faire un peu de fraude. Allez, qui est parti saluer les fans britanniques là-bas. Allez, pourquoi pas un petit burn? Il nous fait quoi Paul? Allez, j'espère qu'il ne s'est pas pris dans les câbles de l'artifice. Non, un peu de paille, c'est tout. Ah, là, c'était pas prévu. Ah non, c'est quoi? C'est quoi? C'est un drapeau? Oui, c'est ça, un drapeau, je sais pas. Il est passé, oui, c'est passé sur des câbles, en espérant que ce ne soit pas... Voilà, c'était l'arrosage a priori, donc ça va, plus de peur que de mal. Voilà un autre tour d'honneur de Paul Cooper. Mesdames et messieurs, saluez-le, Paul Cooper, impérial qui est venu déposséder Jérôme de la toute dernière ligne droite même, dans le dernier virage. Magnifique Paul Cooper, et on se retrouve dans quelques secondes. Voici les points du classement général final. Paul Cooper, 5 points. Max Mazot, 2 points. 3 points pour Wolf, 1 point pour Ramon Stanek, 4 points pour Jérôme Lespinas, vous le savez, et malheureusement, pas le moindre point pour Andrazik. C'est peu ou prou le résultat du classement général final. Ça doit évidemment ressembler à peu près à ça, et notamment la victoire au général de Paul Cooper devant Jérôme Lespinas pour la troisième place. On vous le confirmera tout à l'heure, et notamment pour le podium. Voici maintenant la catégorie internationale, le trophée de la ville de Marmande. Après le trophée de la Banque Populaire, voilà Marmande. Alors, en finale C, on va retrouver Brian Gama à l'extérieur. On va retrouver également
il est cassé, casse de Jong. De Jong qui casse dans le dernier tour. Coup de casse. Il a neige qui revient sur les plumes sauvages. Ah là là, quel dommage. Et il termine en poussant quand même. Ah, il est magnifique, mesdames et messieurs, Yannick de Jong. Magnifique Yannick de Jong. Qui termine la course quand même pour l'honneur. C'est super. Bien joué Yannick, il est magnifique ce pilote. Il avait survolé la course et il termine quand même. Quel panache. Quelle leçon de sport. Quel dommage, alors qu'il avait course gagnée largement. Yannick de Jong qui franchit la ligne d'arrivée de cette finale C. Il a besoin de la... Il a besoin du quad peut-être, hein, le quad s'il vous plaît, merci. Alors, nous allons retrouver la finale B dans quelques instants avec Yannos Kim McCorkey. On aura également Max Mora, nous aurons Hall, nous aurons Glenn Phillips, nous aurons Bernd Deiner et Andrew Appleton. Et voilà Nick de Jong qui est vraiment applaudi. Allez, on va retrouver la finale B, Nick, just a moment. Nick, just one word, so disappointed, so unlucky. C'est tellement déçu, tellement malheureux. Voilà, la première manche, j'ai déjà cassé ma boîte de vitesse tout à l'heure. Hit neutral. J'avais fait un superbe départ. It's the reason you were in a final C. Yeah, well, c'était la raison pour laquelle j'étais dans la finale C. Yes, I think that was one of the main reasons. I had to get a spare bike. And... Alors, du coup, j'ai été obligé de prendre ma moto de rechange. And well, the engine wasn't that well as the first bike I wanted to ride. Malheureusement, il n'y avait pas le même moteur aussi performant que celui avec que celui de la machine avec laquelle j'aurais dû courir. Then the final, my front wheel just collapsed. So. Voilà, j'ai cassé ma roue avant dans la finale during the last lap. Yeah, well, I think probably a bit earlier. Un peu plus tôt, j'ai dû casser ma roue en fait un petit peu pendant la course, un petit peu avant, mais ça c'est devenu inconduisible dans le dernier tour. Mais, but please, hurry it. Écoutez ça, pour Nick de Jong. Thank you, Nick. Yannick de Jong, absolument magnifique. Et nous allons retrouver la composition de la finale B maintenant. Avec. Alors, confirmation de la C. Voilà le classement. 4. Jörg Tebbe, pardon. Schneiderwind, Milanese, De Jong évidemment. Et Ulshorst qui lui aussi avait abandonné prématurément. Voilà, on retrouve donc. Dans la finale B, Andrew Appleton, Bernd Deiner, Glenn Phillips, on trouve également Hall, Kim McCorkey et Massimo Mora pour la finale B. Ce qui veut dire que par définition, vous avez compris que dans la finale A, vous allez retrouver le reste des pilotes. Alors, je vous rappelle, finale B, on va retrouver le numéro 3 Appleton, le numéro 16 Deiner, le numéro 10 Glenn Phillips, le numéro 18 Hall, le numéro 7 Kim McCorkey et enfin le numéro 11. Massimo Mora, voilà qui est accompli de la porte allée. Attention à Hall, attention à l'excellent départ de Mora également, un homme qui part généralement très fort.
l'intérieur avec le numéro 3. Glenn Phillips, le 10, ne devrait pas normalement se mêler à la lutte. Il a glissé énormément en mélo rouge. Alors mélo rouge, les secours sont rapidement sur place, les secours, merci. Après une gaufre pareille, certains seraient en train de se raconter des petites histoires. Là, évidemment, vu le niveau athlétique et le niveau de courage de ces jeunes gens, cela ne surprendra personne. Donc nous allons, quand je dis jeunes gens, c'est un petit clin d'œil évidemment eu égard à aux respectueuses années passées sur les circuits par Monsieur Diner. Gratin des pilotes du championnat du monde adore venir ici à Marmande, c'est qu'il y a des spectateurs connaisseurs, des spectateurs généreux, des spectateurs honnêtes, fair play, c'est ça le succès de Marmande. On aime les champions, qu'ils fussent venus d'horizons lointains ou du fin fond du département voisin. On aime du sport. Allez, on retrouve, regardez, ils sont là. Allez, Peter Wind, évidemment. Bon, Glenn Phillips, bien sûr, mais un Andrew et Polton impérial. Alors, les positions, vous l'avez compris, premier Polton, deuxième Kyle McCorpy, troisième Glenn Phillips, quatrième Mora, cinquième Hall. Alors, maintenant, en finale A, nous allons faire un petit break musical, car mesdemoiselles, les pilotes n'ont pas encore
déterminer leur choix de position. Ils ont la possibilité de choisir et c'est maintenant que cela va se passer. Voici les pilotes de la finale A qui arrivent en marchant tels des gladiateurs dans l'arène. Alors j'aimerais bien quelques ovations, quelques menus encourageants pour Mathias Froger. Et la musique est de circonstance. Voilà Mathias Froger qui se dirige. On va également retrouver Dirk Fabric. Alors, on va voir avec Gilles la direction de course. Les arbitres sont là. Gerd Riss, on va évidemment choisir dans l'ordre du classement provisoire le premier. Voilà, Gerd Riss est le premier à choisir. Je vois qu'il y a un petit Français derrière qui n'est pas inquiet du tout, lui. Il est en pleine forme. Alors, la position est choisie. Extérieur. Extérieur. La trajectoire extérieure complète au couloir numéro 6 pour Gerd Riss. Qui était le leader du classement au point. Dirigeant maintenant vers Mathias Froger. Mathias Froger qui est un homme audacieux, un homme de challenge, qui a envie d'essayer l'intérieur. C'est vraiment, vraiment, vraiment audacieux. C'est peut-être très risqué. Évidemment, au-delà de la position, on voit judicieusement l'intérêt pour Mathias Froger consistant à se déporter un peu. Là, on est dans la zone du couloir 2, on passe dans la zone du couloir 3. On regarde également le 5 qui semble retenir toute son attention. Mathias Froger qui va revenir pour confirmer sa sensation de départ. Et il a choisi le couloir numéro 1, Mathias. Applaudissements, mesdames et messieurs, pour Mathias Froger. Parce qu'en clair, en clair, et ce n'est pas mon avis de spécialiste que l'homme, mais ça veut clairement dire qu'il vient gagner. Parce qu'il prend les risques. Il sait très bien que le couloir numéro 1, c'est où il est en tête, où il risque d'être évidemment très loin. Mais c'est la trajectoire la plus courte. Et il choisit celle-ci. Dirk Fabric, il choisit le couloir numéro 2. Fabric qui choisit le couloir numéro 2. Malheureusement, compte tenu de ça, nous sommes un seul mauvais résultat. Steph est obligé d'attendre. Et ce qui reste, c'est pas mal. Hein. Il reste pas de mauvaises options là, puisqu'on a pris l'exter, on a pris l'inter, on a pris le 2. Il reste encore un choix entre 3, 4, 5 là. Allez, le couloir pour Theo Piper, le couloir blanc. Je ne sais pas s'ils ont choisi les filles ou le couloir, mais visiblement, ça ressemble à des déclarations, ça quand même. Alors, et le petit français, Astérix, il va choisir quoi face aux légions romaines. Il a un petit coup de main familial là. Le gang trésorieux est encore en train de se concerter, de réfléchir, de calculer. On regarde la qualité du sol pour l'adhérence. C'est vrai qu'on rappelle que là, les deux vont aller à quelques centimètres de profondeur. On aime bien le grip, doit être clair. Allez, on a choisi le jaune. Vos applaudissements, vos encouragements. On dirait qu'il n'y a pas de supporters des Français aujourd'hui. Alors, est-ce qu'il y a des supporters des Stéphane? Et bien évidemment, Janoska se contentera de la dernière position, c'est-à-dire en l'occurrence la cinquième. On rappelle les positions à l'extérieur, Riss. En se rapprochant de la corde, Janoska. Trésarieux est entre Theo Piper et Janoska. Il pourrait être plus mal accompagné. Dirk Fabric est au couloir numéro 2. Un tout petit peu moins audacieux que Froger, mais lui aussi a choisi de prendre des trajectoires très courtes. Et puis bien évidemment, Mathias Froger, lui, est un joueur de poker, Mathias Froger. Il a fait tapis là à l'intérieur. Alors qu'il avait le choix. Hein. Il a décidé de mettre toute sa mise sur l'intérieur. Et je pense qu'il a fait un ou deux allers-retours, mais il en avait envie dès le départ.
Et c'est l'une des très rares occasions encore de saluer la très belle prestation de ces ravissantes larmandaises qui ont fait une chorégraphie, ma foi, de belle facture. Les filles, c'est parfait, vous avez fait très bien. Attention, on regarde l'entrée en grille. Fabrique. On est bien d'accord qu'en ce qui concerne la finale A, il n'y a pas d'ombre d'ambiguïté, il n'y a pas de points, il n'y a pas de total. C'est simple, vous gagnez la finale, vous gagnez Marmont 2008. Et si vous êtes second, vous serez pour le podium comme le premier. Attention mesdames et messieurs, la dernière course de la soirée, est-ce que vous êtes prêts? Hey! Coco et Marmont, est-ce que vous êtes prêts pour la finale? On va peut-être remplacer rapidement une bougie en espérant que ce vienne de cet allumage et en particulier de la phase finale. Je vous rappelle évidemment qu'à l'issue de cette course, le programme vous proposera évidemment le final mais aussi les podiums quelques minutes plus tard. Donc n'hésitez pas à rester avec nous, ça vous évitera également de passer du temps dans les embouteillages à la sortie. Vous avez été encore une fois particulièrement nombreux, particulièrement enthousiastes. Allez, écoutez là-bas les supporters de Stéphane, là-bas on les entend. Ah, il est porté Stéphane Trésorieux. Vous le sentez vous aussi là? Vous sentez la pression? Il en est capable, il est cool Stéphane, il est bien, il est parfaitement préparé. Il n'a rien à perdre. Ah, il a l'air décontracté. Et puis bon, on connaît le gaillard, hein. Il ne va pas se laisser impressionner. Ce n'est pas Fabrique ou Gabrice ou quiconque qui le fera changer de trajectoire. Jean-Noël, le président du club, évidemment se réjouit de ce nouveau succès. Un petit mot Jean-Noël avant le départ de cette finale. Encore un superbe succès populaire. Hein, allez, pas d'un plan, un carton. Je vous remercie le public d'être venu si nombreux et je leur dis à l'année prochaine. Avec évidemment, il est encore trop tôt pour le dire, mais quoi qu'il en soit, un superbe rendez-vous l'année prochaine avec, dans tous les cas de figure, les meilleurs pilotes du monde, des surprises, des nouveautés. Et pourquoi pas, je peux vous le dire rien, mais ils se préparent des choses assez exceptionnelles. Donc restez bien sûr avec nous et n'oubliez pas de cocher sur votre agenda le 13 juillet 2009. Où vous en prendrez plein les yeux encore, attention. Allez, on se met en place. Piper arrive avec sa machine de remplacement. Allez, oui, celle qui fonctionne. Alors, il y a une machine de près d'ailleurs. Ce n'est pas sa machine, Piper. Pavel Andrasik qui a prêté sa moto à la dernière seconde. Thank you.
et pour le podium, en attendant la victoire de Gabrice, mesdames et messieurs. Deuxième de fabrique. Et la troisième place, il va falloir attendre quelques secondes. Là, ça s'est joué, comme dirait Jean-Marie Rio, un écrou de rayon. Et Gabrice, un 6 fois champion du monde. Extraordinaire Gabrice, qui l'emporte à nouveau. Fabrice deuxième. Et Stéphane a-t-il conservé la troisième place? Alors, on regarde le chronométrage. Visiblement, la décision finale n'a pas encore été confirmée. Alors, bien évidemment, vous connaissez ici la tradition à Marmande, nous allons vous offrir dans quelques instants. Dirk Fabrique, vous savez que ce grand, ça c'est une certitude. La victoire ne peut échapper. We are sure right now that the winner is Dirk Fabrique. Second place for Dirk Fabrique. But... Mesdames et messieurs, après délibération de la commission sportive, le classement est le suivant. Compte tenu d'une manœuvre jugée dangereuse et illicite, la deuxième place ne revient pas à Dirk Fabrique, mais revient à Stéphane Trésorier. Dirk Fabrique, troisième. Victoire évidemment de Gabrice, quatrième position pour Mathias Kroger. Cinquième, Enrico Januszka. Et enfin sixième, Joe Piper. Alors, nous allons maintenant accueillir pour la troisième place dans le challenge des espoirs aux couleurs de la Banque Populaire, Mr. Richard Wolf. Allez, applaudissements pour Wolf, s'il vous plaît. Richard Wolf qui termine en troisième position. Richard, just a few minutes. Et nous allons maintenant accueillir, alors là je sais que vous êtes réservé, sur la seconde marche du podium, oui, de classement général, on va accueillir Jérôme Lespinas. Jérôme Lespinas qui s'installe. Et bien évidemment, me direz-vous, la victoire, on a bien cru hein, quand même, on y a cru hein, jusqu'à la dernière seconde, on y a cru, mais la victoire ne pouvait échapper à ce combattant particulièrement généreux. Dans les tout derniers mètres, il est allé la chercher sur le fil du rasoir ou au fil de l'épée, comme vous voulez, Paul Cooper. Come on, Paul. Voilà, come up, please. Voilà, Paul Cooper, qui est un garçon adorable, délicieux. Et nous allons maintenant... Aïe. On va maintenant récompenser et remettre les trophées pour le troisième, s'il vous plaît. Voilà, le troisième pour monsieur... Wolf qui est à nos côtés, la coupe du second également, aux couleurs, je le rappelle, de notre partenaire, la Banque Populaire Occitane, qui nous vient évidemment pour Jérôme, là vous pouvez le faire en français, là ça va le faire, et évidemment le trophée du vainqueur, nous allons lui remettre maintenant. Je voudrais également rajouter, avant de passer à l'étape suivante, le trophée du meilleur pilote français revient, bouge pas s'il te plaît, revient à Jérôme Lespinas. Voilà Jérôme.
qui est récompensé par Esteve Paysage. The best French, you know? Excuse us, not so bad. Bravo Jérôme. Et maintenant, si vous le voulez bien, je vais vous demander toute la sérénité nécessaire pour écouter ensemble l'hymne national du vainqueur, National Anthems. Few words. Thanks to talk with us. Thanks for the show too, because especially for the last lap. Dans le dernier tour en particulier, c'était un super spectacle. Yeah, I kind of thought I better get my finger out a little bit because I wanted to win. Je traduirai pas directement parce qu'il a dit une énorme grossièreté, mais en clair, je me sortirai pas les doigts du, j'aurais pas gagné. Donc voilà, donc il vous sortit les doigts de nez, voilà. Yeah, it's been a long time since I've won anything over here. I'd really like to be in the A class a bit more often, and I want to do more meetings over here. And hopefully that showed that I'm I can put on a bit of a show and skid pretty quick. So hopefully we'll get a few more meetings in the A class. Voilà, c'est effectivement pour moi encore un formidable moment d'être retrouvé ici dans cette catégorie des espoirs et qui est évidemment pour moi avant tout l'occasion de prendre du plaisir et de faire du spectacle ici avec un public de grande qualité. Paul Cooper. Yeah, qui va également few words more. Yeah, and, I'd like to thank my mom and dad definitely for getting me here and Roscoe for helping me out, but my grand died today as well, so that one's for her. Voilà, j'ai gagné également pour mon grand-père aujourd'hui. Il a visiblement beaucoup d'émotions. C'est un remerciement familial à son papa et à sa famille. Mesdames et messieurs, Paul Cooper, thank you. Avec une pensée tout à fait particulière pour son grand-papa qui visiblement a beaucoup compté dans sa carrière. Congratulations, you did great show together. And not except the French, no. non, les pilotes français ont été très très bons, Jérôme, bravo. En tout cas, Robert Wolff a été plus régulier, moins brillant, mais néanmoins il est là, ce qui compte. Seul le résultat compte. Ciao, ciao, grazie mille. Thanks a lot. Merci, on va lui filer un coup de main. Pour la catégorie espoir, je rappelle que nous allons accueillir maintenant les pilotes du trophée de la ville de Marmande. Voilà, tu vas y arriver à descendre. Ah, voilà Paul Cooper. Don't forget. Je suis obligé de pas oublier son grand-père quand même, faut pas déconner. Bon. Ok, voilà, juste un petit mot pour rester entre nous. Nous allons maintenant, c'est ça aussi l'esprit des Grass Track, hein. On peut faire les choses très sérieusement sans se prendre au sérieux. Nous allons maintenant, mesdames et messieurs, accueillir la catégorie internationale. Vous l'avez compris, ce n'est pas le championnat du monde, mais c'était largement le Canada Drive du championnat du monde. Ça en avait le goût, la couleur, le talent, tout y était. Et c'était un grand privilège d'assister au rassemblement de tous les meilleurs pilotes de la planète. Il faut le rappeler, c'est quand même un événement unique qui vous est proposé à Marmande. Quand vous posez la question off, c'est-à-dire en dehors des micros, avec les pilotes, même au micro ils le disent, mais ils le disent aussi en particulier, ils disent, tu sais, Marmande, quoi qu'il arrive, quel que soit le calendrier, quel que soit ce qui a marqué sur l'affiche, on s'en fout, c'est le plus grand grass track d'Europe et sans doute le plus grand du monde, et ça mérite quand même d'être signalé de la part de l'unanimité des pilotes présents ici. On voit beaucoup d'événements en France hein, qui ont des difficultés à rassembler du public, mais quand un événement est de qualité, qu'il est organisé par des gens sérieux, des gens passionnés, bénévoles, c'est vrai, mais également extrêmement sérieux dans la préparation, que les meilleurs sont là, ben vous aussi vous répondez au rendez-vous. Et je le répète encore une fois, c'est pas de la démagogie, c'est votre succès, Marmande. Parce que sans le public de Marmande, il n'y aurait pas de course ici. Voici tout simplement la troisième place pour le challenge international aux couleurs de la ville de Marmande. On va accueillir après un déclassement qui a été un très léger déclassement, hein, qui a été occasionné par une manœuvre jugée illicite par la direction de course. On accueille Dirk Fabrik. Come on, Dirk.
On va également demander à monsieur le maire de nous déléguer quelques-uns de ses collaborateurs. Applaudissements pour Noël Fabric, qui a fait un show. Great show. Qui a fait un grand spectacle, évidemment. Nous allons accueillir maintenant celui qui bénéficie d'un petit avantage sur le plan du classement parce qu'il a été, lui, parfaitement loyal, parfaitement régulier jusqu'à la dernière seconde. Mesdames et messieurs, Stéphane Trésorieux. Et Stéphane, que nous allons accueillir en compagnie des représentants de la municipalité. Stéphane, qui, j'en suis sûr, est un garçon loyal, fair play et absolument pas reculier. Regardez, regardez ça, c'est une belle image. Montrez-moi cette image, regardez cette image. Ce check-in, voilà. Voilà l'esprit du Grasstrack. L'esprit du Grasstrack, vous l'avez compris, c'est qu'en course, on sait ce que c'est un sport d'homme. Et il est bien évident que vous avez compris que la manœuvre de Dirk Fabric, c'était simplement l'arrière de la machine qui avait pris plus d'amplitude et qui a été touché la roue avant. C'était pas volontaire, mais il était normal de faire respecter la réglementation à cet égard. Et évidemment, nous allons accueillir un garçon qui n'est pas flamboyant pour les interviews, qui n'est pas d'un humour exceptionnel. C'est un mec d'une rigueur tout à fait totonne. C'est un mec qui est 6 fois champion du monde, qui est en tête du championnat du monde. C'est tout simplement le meilleur pilote, sans doute, de ces 20 dernières années. C'est avec un grand privilège que l'on accueille Gerd Wüst. Yeah, Gerd. Voilà, Gerd Wüst qui nous rejoint et qui fait l'effort de faire un joli sourire car il est encore une fois très heureux. Gerd Wüst qui va s'installer sur la plus haute marche du podium avant. Et nous allons tout de suite commencer par récompenser le troisième, si vous le voulez bien. La troisième place, s'il vous plaît. Voilà, pour un magnifique trophée pour la troisième place qui mérite vos applaudissements. C'est des trophées magnifiques. On avait laissé le prix dessus, donc... Non, je déconne, c'était marqué pour la troisième place. Voici le trophée du second pour la famille dans son ensemble. Alors, merci de venir récompenser effectivement le French Aid Service. Et encore une fois, la ville qui ne peut que se réjouir de la qualité des performances françaises et de la qualité de cette audience également, on y reviendra. Et nous allons également récompenser, on va faire une petite parenthèse. Et on demande M. Hervaux également. Et on récompense aussi à double titre Stéphane, car voici la coupe du meilleur français dans la compétition internationale. Le trophée du meilleur français, the best French trophy right now. Monsieur Hervaux, s'il vous plaît. Et c'est le magasin Hyper Champion qui va récompenser. Ça lui va bien, ça. Un trophée Hyper Champion pour Stéphane, c'est quand même, c'est prémonitoire quand même. Le trophée du meilleur français. S'il vous plaît, monsieur, voilà, au titre de l'hyper champion, on récompense Stéphane Trésorieux. And last but not least, le trophée du vainqueur, s'il vous plaît. Le trophée du vainqueur. Voilà un énorme trophée. Le trophée du vainqueur pour monsieur Gerd Wüst. Et voici l'hymne national du vainqueur. Applaudissements, mesdames et messieurs.
Gerd, just two words together. Could you give us your feeling about this race, about this weekend? Est-ce que vous pouvez nous donner votre sentiment après cette course? Yeah, thank you to the spectators. It was, I think, a wonderful day today. The public was very good. The meeting for me was very hard. It was a hard race here in Marmont, but I like it, and I'm happy to be the winner today. Voilà, c'était effectivement un week-end magnifique parce que très dur pour moi. C'est toujours un challenge audacieux que de revenir ici à Marmande. C'est de plus en plus difficile, mais je suis quand même très très fier parce que c'est un événement où on a une communion avec la salle, avec les gens autour de nous qui n'est pas comparable avec le reste. Monsieur Gerd Riss, mesdames et messieurs. Stéphane, un petit mot de conclusion au titre de meilleur français. Bon, on peut toujours rêver mieux, mais c'est un joli podium quand même. Oui, j'étais tout prêt parce que je faisais ces tours derrière Gabriel et je me re-imaginais l'an dernier Mathieu qui le double dernier virage. Vous avez dit, est-ce que j'en suis capable? Alors j'ai dit, je mets le paquet, j'avais prévu de mettre le paquet. Et puis bon, une petite erreur m'a empêché d'aller l'attaquer jusqu'au bout et une petite batte mécanique dans le dernier virage aussi. Mais en fait, je suis très fier de ce que j'ai fait. Je remercie mon équipe technique, mon petit frère Mathieu, mon mécano Michael, toute ma famille, mes enfants, ma femme. Tous mes sponsors qui étaient parmi le public aujourd'hui. Et merci au public de Marmande qui est énorme. Mesdames et messieurs, c'était tout simplement l'édition 2008 du Grass Track International de Marmande. Ça a été encore un formidable moment. Voici les traditionnelles boissons énergétiques à consommer avec modération. Ça, c'est la bonne nouvelle. Alors pour ceux qui ont soif, vous ouvrez la bouche et vous inquiétez pas, ça arrive. Jean-Noël Barès, juste un petit mot Jean-Noël, pendant qu'on arrose tout ça, vous étiez inquiet, hein, la météo était annoncée comme incertaine et ça a été une journée parfaite. Oui, la météo, bon, on a essayé d'avoir le jeu plus juste beau temps et bon, on a réussi et je remercie le cher public qui est venu très nombreux. Merci Jean-Noël, merci à vous toutes et à vous tous. Soyez très prudents sur la route encore une fois, ce sont des week-ends 14 juillet où il y a énormément de circulation, ne gâchez pas fête. Et rendez-vous l'année prochaine tous ensemble pour une nouvelle édition. Et merci encore, vous avez été exceptionnels, bye bye. Bye bye, see you soon.
Cooper dans le dernier virage. Le trophée du vainqueur pour Monsieur Gerdris. Et voici l'hymne national du vainqueur. Et rendez-vous l'année prochaine tous ensemble pour une nouvelle édition. Et merci encore, vous avez été exceptionnels. Bye bye. Bye bye, see you soon.